précédemment dans le zapping du rugby. Clairement, coup d'envoi donné par les Agenais. C'est le premier match de top 14 de l'année 2016. Une bonne année pour le rugby français, on l'espère. Une bonne année qui démarre mal pour les Clermontois, secoués à la réception de ce coup d'envoi. Alors, bonne année à tous. On espère que cette année sera la bonne. Et... cette supériorité numérique avec Aplone encore une fois qui casse le premier rideau défensif. Magnifique action de Dio Aplone qui va écarter pour Fabien Alexandre. Alexandre, intelligence, et regardez la gestuelle d'Alexandre pour Dio Aplone, repris in extremis et qui arrive malgré tout à servir Charles McLeod. La magnifique attitude ici de Alexandre pour décaler Dio Aplone. Cette sortie de McLeod pour Wisniewski, la schistera en direction de Aplone et le bond de Aplone pour franchir une quatrième fois la ligne. Puis perdu par Guitoun, arraché par Phillips. Phillips en touche. Et après la première mêlée, la première en touche. La deuxième touche. On a vraiment deux. Coup de pied puissant de Lionel Boxis qui passe entre les poteaux. Daniel Carter rajoute 3 points. Barging over with one last kick from Goo to seal a famous win. Not that he felt his contribution was the decisive one, and nor did the Quins DOR. Et vous avez peut-être aperçu ces drapeaux qui flottent derrière les poteaux au moment du coup de pied de Daniel Carter. Ils étaient de l'autre côté en première période. C'est juste pour indiquer au buteur néo-zélandais le vent. Petite astuce pour Carter. Alors il est là. Attention monsieur, dégage. Eh, parlez pas comme ça, d'accord? C'est la dernière fois. Now Ben Wright, some off the ball stuff. The assistants, they're happy, I think. Action défensive. Vous, je fais partie du jeu, d'accord? Vous pouvez me demander de me pousser, mais il y a des façons de le demander. C'est la première fois, mais je m'en fiche que vous ne soyez pas français, c'est pas mon problème. Non. Je connais pas du bon moment. Oui, c'est ça, oui. Peut-être que ceci vous apprendra à respecter mon autorité. To be very clear, if I'm standing in your way, please just ask me to move. Okay? It's a penalty against you, but you've got to be. Okay. Here we go, Barty. This is just going to be after, I think. Yeah, that's the one we've already seen. Yeah, let me. You've already been spoken to once, so you go to the bin for 10 minutes. No, it's cumulative. You go. Penalty in reverse. Just you. Big attitude for that. Oh. Eh ouais. Faire régner l'ordre, parfois, c'est pas marrant. Toulon a mené par un certain Guillaume Guirado, qui sera le futur sélectionnaire des Bleus. Il prendra l'avion juste après ce match pour rejoindre Marc Doucy. Il a été reporté en raison des attentats de Paris. Ce match sera donc joué le 14 février. Conrad Smith tout seul comme un grand. Ouais. Quel essai, quel numéro de Conrad Smith pour son deuxième match de top 14. Un essai qui est salué par Mayol et qui remet pour dans la course. Whole posse of players on that right hand side that Hugo spotted, and so has Lopez. Oh, just short. Oh, it's coming. Was it dropped? Thinks he scores. Him and David Stretton, maybe just a little bit more communication. But his running line is supreme. No, he hasn't. I don't think he has. L'Angleterre. In this first half, inside the Saracens,
22, which is a concern for them. Jack Berger up, Brantley, oh, take a... Otrandi, that's three looks. A little jog as well. He won. They're rugby in these parts. Penalty fans, they're not happy. They're claiming that the player was tackled before he caught the ball. It was born on it. Sammy Burrard out and looking at that. This is a brilliant sight here. He's making his way forward. Tragic. Fires it out. Rayak there, quick ball, but how about that for a pass from Trandu? Catch and... 14 has just made a huge moment in Montpellier's season, but the reason the cameras are all focused on Trandu, he's been on the pitch minutes, he's had an enormous impact. Le ballon est toujours au fond, devant il y a toujours des joueurs qui sont dans l'axe de pousser, qui ne sont pas faits à renverser. On s'est mis à la faute du côté. Different than the first half. For me, because he's got him up, he has the option to do something here. And then lets him go. And he goes through with it. And it's a second one for this team. Rather than space, and Tom Stone actually just got himself in between. 2 minutes de deux jeu. Minutes de jeu, un carton qui. C'est un Bardi qui traîne un peu cette réputation de joueur indiscipliné. Pourquoi? State. Parise. Dante. And it's gone forward. So that, by the way, is. Across on BT Sport 2 HD. Il y aura Wisniewski dessous, ouais, en avant. En avant, Jonathan Wisniewski. Ouais, il y aura la chez nous. Plaquage manqué, c'est. Oh là là, qu'est-ce que c'est bête pour les Grenoblois. Merci for that. I think we played pretty good today. I think we still need to work on melee and aussi the touche defensive. Pour Wisniewski, la chandelle de Wisniewski, pas idiot. Pas idiot sous les poteaux parce qu'il y a à plein de CDC. Le mec joue very good, hein. Merci, merci. Merci. Nieva Katawa est avec le 15 de France. C'est l'équipe de France qui récupère son premier ballon. Damien Clerc, Julien Condelon à l'extérieur. Oh, et la fin de passe de Condelon qui accélère tout de suite. Et bien voilà l'équipe de France qui démarre parfaitement. Premier essai signé Condelon. Oh, he's had a good game. Oh, this is electrifying! Aye, aye, aye. Foley, three handoffs, beautiful swerving break pass. Keith Earls, the flank has left a Lions wing. Ça sort vite pour Damien Clerc. Allez, Thierry Bourraoua qui a vu un espace. Oh, il est supersonique. Et bien voilà, le premier essai n'a pas été accordé à Condelon. Cette fois-ci, Thierry Bourraoua, lui, valide son essai, le meilleur marqueur du circuit mondial. Oh, just takes a quick peek. Trandu's gonna have a go at the drop. All the time in the world. Straight out the middle. Mais non, mais non. Timog just stepping in at 10. You always want your fullback to be the when the 10's not there to step in at first receiver. He does exactly that, and the pass, the fizzing pass, is absolutely brilliant. It flew like a missile, didn't it? Yeah, Jose Gear just didn't have a chance there. I love it. Wait. No, vous êtes fou, mais on chante pas. To Catrakilis, the attempt at the drop is right out of the middle, and it's gone through. Et bonne année à tous. Emma, staring defeat again, and the ball has gone forward. And with that, basic error. Voilà. Il y a radeau, il n'y a pas radeau cette année pour ça. Ils n'ont pas mis radeau. Le jeu d'Aurillac est un petit peu en panne. Le coup de la panne, personne n'aime ça. Pour notre demi de mêlée internationale. Et attention au sixième essai de Paul Perez après cette magnifique enchaînement et cette passe acrobatique d'Imanol Arinordoki. Le rugby, c'est notre vie. Arinordoki, notre idole. Imanol, t'es notre idole.
notre idole. Imanol, t'es notre idole. Et qui a été précieux lui aussi, parce qu'il a fait mal à cette défense paloise. Paul Pérez encore lui. Oh, la magnifique passe pour l'Embolé. C'est une balade. Johnston dans le dos, Doucin, le petit coup de pied par-dessus pour Galifico, le rebond peut-être favorable. Hop, sur le poteau et c'est un essai. Yes, of course. It's a very important today for me because we need to have 4 points because the Racing and the Toulouse. Yesterday they win and we need to win. Win the yes, need the no to win. Again the no. Attention, on se calme. Mise en zèle, hop. Oh là, Tuisova. Découpé par Tuisova. Trottoir, et puis derrière, encore une fois, un gros plaquage, vous voyez, avec Tuisova qui renverse Saint-Zel. Back playing rugby again, but fumbling it. A little bit of a boil over it. Faut les mettre à la faute, faut les bousculer, personne ne ose les bousculer depuis le début de l'année. Voilà, faut continuer comme ça avec une grosse paire et ça va passer. Merci. On va pas parler de technico-tactique, on va les destroncher, puis voilà, il y a des matchs où c'est... on est 14, ils sont 15, on va y aller avec une grosse paire quand même. Gardy. Well, his eye is still as was. Votre copain Johan Arthur nous a dit que pour battre le loup, il fallait surtout avoir une grosse paire. Alors, une grosse paire de quoi hein? Attention, il m'a dit! Attention! Oui, diamant, well. Il n'est pas arrêté le chrono? Si, si, ouais. Bien évidemment, très bien utilisé par Marc. Au moins un carton rouge du côté de Johnston parce qu'on voit deux coups de poing.